C'est trop cool. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. C'est le Capitaine Kirk et on se retrouve pour visiter une map absolument géniale les amis. Aujourd'hui on découvre une map avec un canon laser géant ultra puissant. Regardez, il est juste ici, il est magnifique. Et bien sûr on peut faire feu. Là j'ai mis en mode creeper, il a plusieurs modes de feu. J'ai mis en mode creeper, on a plus qu'à appuyer là. Regardez, il va bombarder de creeper, c'est trop génial. Voilà, bon du coup les amis, j'espère que ça vous plaira. Comme toujours, un max de pouces bleus, ça me fait super plaisir et ça m'aide vraiment beaucoup. Aujourd'hui je lance un défi spécial, une vue égale un like. Je compte sur vous, bonne vidéo. Et c'est parti! Alors, on se retrouve pour une map absolument géniale ici, mes amis, map de canon laser ultra stylé. Donc, vous voyez, ici, on a la partie cible, c'est la partie de la cible sur laquelle on tire. Là, c'est la partie canon, le canon qui est absolument énorme, regardez ça, et qui est surtout ultra puissant. Le reste de la base, c'est de la décoration, en fait, c'est pour faire joli, mais c'est quand même bien réussi. On a vraiment l'impression d'être dans une base américaine, vous voyez, cachée au milieu de la montagne, c'est sympathique. Alors, du coup, je vous explique tout. On a plein de commandes à l'intérieur. Donc, ici, c'est la salle de contrôle, vous voyez juste ici, hein, j'ai cassé un peu la vitre pour pouvoir entrer. Normalement, il y a une vitre ici, bon, je l'ai cassée pour qu'on puisse voir mieux. En fait, ici, je vous explique. Là, on peut sélectionner la si par exemple je lui dis mets moi ça. Ce qui se passe quand je mets ça, c'est que je peux me téléporter directement sur la plateforme. Vous avez vu, je peux y aller. Bon, évidemment quand le canon est activé vous allez mourir. Donc ça c'est le mode Steve. Par exemple si je mets ça, regardez, ça met des blazes. Donc en gros ça va faire spawn un tas de blazes que je peux exploser du coup. En fait je choisis ma cible, donc je vous montre un peu les différentes cibles. Donc on a les blazes ici, Emerald, je sais pas ce que ça fait, on va voir ensemble ce que ça fait, on découvre ensemble. Ce sont des villageois, d'accord, on peut exploser des villageois. On peut exploser pas mal de trucs, hein. Ici des poulets, alors ouais, bon des poulets vous avez deviné. Oh, ça, c'est un oh d'accord, c'est un poulet géant, ok. Je pensais que ça aurait été plein de petits poulets, une porte, d'accord, qu'est-ce que c'est? Une maison, d'accord, on peut tout exploser. Ici, qu'est-ce que c'est? On peut exploser ici un chat. Et pour finir, le Wither, je suppose, hein, carrément, ok. Et ça, c'est quoi ces trucs de base qu'il y avait de base? C'est, ok, une statue villageoise. Très bien, on va commencer par exploser pour le fun, les amis. Je propose un bon tas, on va dire, tiens, une maison, pourquoi pas. Alors, du coup, on sélectionne le mode de feu maintenant. D'abord, je vous montre le mode classique TNT. Bon, ça, vous connaissez. On va tirer des TNT. J'appuie sur le bouton, là, il va bombarder TNT. C'est parti. Le canon change de couleur, hein, vous avez vu, il était vert tout à l'heure. Oh, c'était mon ralenti, t'es bon, il y a TNT qui part. Oh là là, mais c'est abusé quoi. C'est abusé. C'est trop génial. Ok, on change le mode de feu, on met le mode. Alors je découvre en même temps que vous hein. Qu'est-ce que ça va attirer? Bonne question. Ah, il faudrait appuyer sur le bouton de feu pour qu'il retire. Qu'est-ce que ça tire? Ok, ça tire des particules assez étranges. Donc c'est carrément un canon laser, hein, c'est bien un canon laser. On va lui mettre une nouvelle cible, tiens on va voir ce qui se passe. Si je mets des blazes, tiens par exemple, on va voir ce qui se passe. Ah bon, ok, j'ai mis la cible suivante, on va mettre ça. Ok, ça ne fait pas de dégâts, ça marche sur les mobs je pense. On va mettre des mobs. On va mettre des blazes, ça va les défoncer, je pense. Ok, ils prennent méga cher. Ils prennent méga cher. Je sais pas ce que c'est, hein. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça les défonce. Vous avez vu, ils se font massacrer. C'est sympathique, c'est sympathique. Donc, c'est une espèce, on va appeler ça le canon laser qui fait pas de dégâts. On a remarqué pas de dégâts au bloc. Ici, nous avons, bon, les fireballs, vous connaissez, hein. Ça attire plein de fireballs. Ils changent de couleur encore une fois et il faut réactiver le bouton de feu. Voilà. Il a la fin des fireballs, regardez. Oh là là, c'est sympa. Il en tire moins. Oh, d'accord. Pas dégueulasse, c'est vraiment ouf. C'est trop génial d'exposer les trucs comme ça. La cadence de tir elle est réduite par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est quand même plaisant, vous avez vu, c'est doux. Regardez comme c'est doux, vous avez vu, c'est tout doux. C'est sympa. On change le mode de feu, on va tirer des flèches. Alors de quelle couleur ça va être d'après vous? Moi je parie sur du gris, ah c'est du blanc, j'étais pas loin. Normalement on va tirer des flèches, j'appuie sur le bouton. Appuie sur le bouton, feu. Il faut qu'on mette des cibles comme moi. Attends, on va lui en mettre des cibles, on va mettre des villageois. Allez c'est parti, les pauvres n'ont rien demandé, ils vont se faire massacrer gratuitement. Regardez ça. Ah ouais ça bombarde, mais c'est génial ce canon, mais c'est ouf, regardez ça. Regardez ça, regardez les pauvres, ils comprennent pas ce qui leur arrive et tout, etc. Il y a les flèches qui disparaissent par moment, vous avez vu, si vous regardez bien, on a plus de flèches là. Je sais pas, ça doit être un bug, mais à mon avis, il y en a toujours. Ah oh, c'est cool, c'est super cool, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, les creepers, je vous ai montré au début pour rigoler, on va appuyer sur le bouton, hop, je change, voilà, là je réappuie, là ça fonctionne. On va mettre une nouvelle cible, du coup, je veux le poulet géant, c'est parti. Regardez ça. Oh là là, oh là là, mais ça c'est monstrueux, c'est n'importe quoi. Mais c'est trop marrant, regardez, genre il balance mes creepers à l'heure quoi, c'est abusé. Non mais vous êtes là, mais vous êtes mort quoi, regardez ça. Je suis carrément propulsé en l'air, t'as mes creepers qui se posent à la seconde. Alors, on met une autre cible encore une fois, la maison on a déjà fait, on va mettre le Wither, tiens. Voir combien de temps le Wither résiste à ça. À mon avis, oh, il encaisse bien, il encaisse bien. Allez non mais ça lui fait rien en fait. Ah mais c'est normal, il crée des explosions de base. L'explosion ça lui fait pas mal, alors attendez. Attendez, attendez. Tout ce qui est explosion à mon avis ça lui fait pas mal. Mais on va réessayer, c'est pas grave, on va essayer, hop, feu. On va essayer de... Ah non mais il est mort. Ok. À mon avis ça a lagué, il est mort à l'avance et on l'a pas vu. C'est quoi, on va le remettre, je vais le remettre. Et on va voir combien de temps il veut pour mourir cette fois-ci. Ouais parce que je me disais, il prend des dégâts quand même. On voit pas, en fait je pense qu'il meurt tellement vite que sa vie n'a pas le temps de fondre et que ça disparaît directement. Voilà, regardez. Il est mort en direct, la vie n'a même pas bougé quoi. Ok, il s'est fait massacrer, c'est pas... On voit la puissance de feu. Maintenant,
quoi. Des Under Dragons, qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est abusé mec. Le gars il s'est dit on va inventer carrément un type de canon que personne n'aurait prévu hein. Alors c'est bon, je suis en mode Under Dragon, c'est bon. Feu. Alors qu'est-ce que ça tire? Qu'est-ce que ça tire? Voyons voir. Ok, très bien, ça n'a pas l'air de tirer. Alors attendez, on va changer déjà la cible, vous voyez que là c'est n'importe quoi ce qu'il y a là-bas. Je vais mettre des Blaze. Attendez, pourquoi il ne veut pas tirer avec l'Under Dragon? Hop, l'Under Dragon est prêt. C'est dommage, je suis sûr que ça marche. Voyons voir. Ah, voilà! Oh, pas mal! Pas mal! Alors ça tire des boules de feu, mais custom apparemment qui ont un effet surpuissant. C'est les a one shot, hein. Je sais pas si vous avez vu. Sympathique, on va rester avec des villageois. Si vous approuvez, on va utiliser avec des villageois. Les villageois, ce sont les émeraudes. Voilà. Alors, c'est parti! Ça les massacre! C'est abusé! C'est absolument abusé. Ceux qui veulent la map, je suis désolé, je peux pas vous la passer parce que la map est payante. Hein, je précise. Quand je passe pas la map, c'est que généralement elle est payante. Voilà. C'est Euclid, le créateur que vous voyez ici. Il a créé, je lui ai acheté. Il m'a posé les maps, je les ai achetées. Alors, je lui ai acheté 150 maps en fait. On va mettre ça. C'est parfait, on va être le Wither et on va faire feu avec des Wither. Tiens, allez, c'est parti. Wither vs Wither, c'est parti. Logiquement. Ah oui, non, ça doit lui faire mal. Vous avez vu, ça touche la cible. Vous avez vu? C'est bien fait, hein. Ça touche la cible derrière. Est-ce qu'il va mourir? J'ai hâte de voir ça. Du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'on a une deuxième vie de Wither. En fait, il y a un autre Wither ici qui bombarde, apparemment. Apparemment, il y a un autre Wither qui bombarde. Allez, vas-y, vas-y, meurs. Peut-être que ça lui fait pas de dégâts. Peut-être. J'avoue, j'ai un doute. Logiquement, je sais pas. Vu que c'est les têtes de Wither et que c'est un Wither, il est censé ne pas se faire mal par ses propres attaques, non? Si on suit un petit peu la logique. Bon, en tous les cas, on va mettre autre chose. Vous allez voir à quel point ça fait mal. On va mettre des Blaze. Et là, ils vont se faire littéralement massacrer, je pense. Ok. On se croit à la guerre, quoi. C'est sympa. On dirait un stand de tir où tu testes le canon, justement. C'est génial, hein. On dirait un centre d'expérimentation de l'armée, en fait, où ils testent leurs nouvelles armes, vous savez, genre. Donc c'est pas mal, mais c'est pas si efficace que ça, finalement. C'est pas si efficace que ça. On va utiliser les potions. Alors, c'est les potions de... apparemment de poison. On essaie de deviner un petit peu. On va voir tout de suite ce que c'est. Alors, ouais, ce sont des potions de poison ou de dégâts. Non, ça a l'air d'être des dégâts plutôt. C'est sympa ça aussi, hein. C'est très sympa. Et la cadence de tir, ça déconne pas, hein. Ça déconne pas. c'est une vraie mitrailleuse en vrai. C'est une vraie mitrailleuse, c'est abusé. Regardez ça, les pauvres se font massacrer. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on n'a pas testé? Beacon. Qu'est-ce qu'un beacon, les amis? Des fois, je suis intrigué. Je me dis, mais qu'est-ce que ça va être, quoi? Je propose qu'on essaie la maison. Voir ce que ça donne, si ça peut faire de mal à la maison ou pas. On va appuyer sur le bouton, regarder ce qui se passe. C'est parti. Alors, waouh, c'est une tour Tesla, ça. C'est une Tesla, ça, on est d'accord? Ok, sympa. Alors, comment tu tires? Vous avez vu les commandes blocs juste ici, hein, si vous regardez bien. Donc, ça, c'est une Tesla. D'accord, c'est bien une Tesla. Ok, d'accord, elle fait pop des éclairs. Le problème, c'est que ok, ça marche pas contre les maisons, donc on va plutôt mettre des mobs, sinon on risque d'être déçu. Je vais vous mettre des Blaze encore une fois, parce que c'est une tour Tesla, donc elle tire des éclairs et ça fait rien contre les mobs. Oh là 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 là, regardez ça! Ils se font massacrer, ils sont devenus. Ah, c'est tous devenus des sorcières! C'est énorme, ils sont tous devenus des sorcières, les gars, c'est n'importe quoi, genre. Parce que du coup, les éclairs sont transformés en sorcières, abusés. Allez, allez, on meurt, hein. C'est sympa, hein. Dédicace aux fans de Clash of Clans. La petite tour Tesla qui fait plaisir, sympathique, hein, vraiment sympa. Il nous reste un mode de feu à tirer, les amis, un mode de feu à tirer qu'on n'a pas encore testé. J'attends qu'il meure parce que là ils prennent cher. Ah, ils prennent des potions de heal, ils se heal. Allez, four, ah, vous allez mourir, moi je vous dis, vous allez mourir. Si c'est pas la Tesla qui l'a fait, c'est la TNT qui le fera, mais vous allez mourir. Il est hors de question que vous ne mourrez pas, bon là franchement. Ah, c'est abusé. Ah, c'est abusé. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est juste du n'importe quoi. Alors, maintenant, le dernier mode de feu, les amis, qu'on a jamais testé. Je mets le mode cheval, la mode sel, et voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça va faire? Ok, c'est encore une fois des particules qui, à mon avis, défoncent les mobs. On va voir ça tout de suite. D'autres styles de particules sympathiques. Ça défonce encore une fois les mobs. Clairement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'avais jamais vu ça de ma vie. Je sais pas ce que c'est. C'est vraiment des. Je sais plus ce qu'est particules, c'est ça. C'est très particulier. En tout cas, ça leur fait pas mal. Ils s'en foutent, hein. Les mecs sont là. Ok, ça ne fait pas mal aux villageois. La question est-ce que ça fait mal à nos amis les Blaze? Est-ce que ça fonctionne contre les mobs? On va voir ça tout de suite. Mais disons, ça sert à rien ça. Ça sert absolument à rien. Ah si, ça leur fait mal, ça leur fait mal. Dis-moi ce que c'est, ceux qui sont dans les commentaires. Je sais pas du tout ce que c'est comme particule ça. C'est très stylé, hein, je suis d'accord, c'est très stylé, mais je sais pas ce que c'est. C'est un mystère. Ok, j'ai l'impression qu'il prenait des dégâts, mais en fait pas trop, non. Ok, c'est un canon à neige, écoutez, c'est un petit canon pour se faire plaisir. Maintenant, on repasse sur du solide, on repasse au canon creeper. Redevient vert, canon, et feu. Pour finir en beauté, regardez. C'est parti. C'est moins puissant que la TNT, ça, mais c'est quand même impressionnant. Le plus impressionnant, c'est la TNT, je dirais.
Bon, du coup, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis bien amusé, c'était super marrant. Dites-moi dans les commentaires quel canon vous avez préféré, quel sujet que vous avez préféré, quelle cible vous avez préféré aussi, hein. Qu'est-ce qui a été le plus drôle à faire? J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à liker un max la vidéo et vous abonner à la chaîne. A plus sur les prochaines aventures. Ciao tout le monde!